Good morgen, allez, Iden, les tueurs aujourd'hui, le Nishma Tamwa Mionamen Chana, Nissim Ben Aouda, Sarah Bat Chana Rachel, ainsi que l'Irfouat, Ari Akiva Ben Shachar, Betoch, Shahar, Chol Israël. Si vous souhaitez aussi d'aider nos prochaines études de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Avot, Perek Bet, Mishnah Bet et Gimel pour aujourd'hui. Mishnah Bet, Rabban Gamliel Benoch El Rabbi Yudan Asi Omer, Yafet Almud Torah im Derech Eretz, Sheyegiat Shnehem, משכחת אבון, וכל תורה שנימה מלאכה, סופה בטלה, וגוררת אבון, וכל העמלים עם הציבור, יהיו עמלים עמהם לשם שמיים, שזכות אבותם מסייעתן, וצדקתם עומדת לעד. ואתם, מעלה אני עליכם, שכר הרבה כאילו עשיתם. רבן גמליאל, לפיס דו רבי יהודה הנשיא, זה פעלו ממם כאן נביבו, דון פרק, א', Là-bas, on avait Rabban Gamliel, après on avait eu Shimon, après on a vu Rabban Shimon Ben Gamliel. Tout ça, c'est tous des descendants de Hillel. Ils sont tous appelés un au nom du grand-père, comme c'est fréquent. Donc on avait plein de Shimon et de Gamliel. Il y avait aussi des Yehuda qui se mêlaient de temps en temps, comme c'était le cas de Rabbi Yehuda Nassi, de Rabbi, voilà Mishnah Aleph. Mishnah Bet, maintenant le fils de Rabbi Yehuda Nassi s'appelait aussi Rabban Gamliel. Et donc Rabban Gamliel, Benoch El Rabbi Yehuda Nassi, Omer, il disait lui. Yafé Talmud Torah im derech eretz. Il est beau le Talmud Torah, l'étude de la Torah im derech eretz akavana. Derech eretz, c'est pas les bonnes conduites. On parle pas de ça ici. On parle de comme il le dit le Bartanora, melacha oschora, d'avoir un petit business, une occupation par laquelle il fait rentrer sa parnasa. Sheyegiat shnehem meshakachat avon. Car le labeur dans ces deux choses-là en même temps, alors Meshakachat Avon fait oublier, nous fait complètement éloigner de la faute. Soit, il nous dit, tu sais, dans la vie, pour la bonne construction d'un homme, il doit s'épuiser dans le travail et dans l'étude de la Torah. Le travail, c'est la santé, et l'étude de la Torah, c'est la santé. C'est-à-dire, le Bartonnant, il explique en fait qu'il y a deux choses en même temps. L'étude de la Torah, en développant l'intellect à la recherche de la vérité, alors il va parvenir à vaincre, à affaiblir son Yetzerara. Et en plus de ça, par le travail, en travaillant dur avec labeur, comme la Klala d'Adam Rishon, Kosvedadar, Tatsmiya Chalach, le Choulet, que là-bas il faut travailler Bezat Aperchatoch Alechem, alors le fait de casser son corps, de fatiguer son corps, d'épuiser son corps dans du travail, va faire qu'après il n'aura même plus de Tahava, il n'aura même plus d'instinct, de désir instinctif. Trop aiguisé, il sera tellement... C'est-à-dire là, finalement, s'il se rentre dans un mode de vie tel que étude de la Torah avec souci de Parnassa en travaillant, alors on est sûr qu'un tel homme, il va de plus en plus prendre ses distances face à la faute, étant donné qu'il aura le... Moralement, il sera fatigué, il aura d'autres ambitions dans la vie. Et physiquement, il aura aussi son corps aussi affaibli. D'accord ? Donc les deux en même temps fait qu'on se tient à l'écart de la faute. Ensuite, Vechol Torah Shenima Melacha Sofa Betela Vegoreret Avon. Il nous apprend que toute Torah qui n'a pas avec elle un travail, une profession, Sofa Betela Vegoreret Avon. Quelqu'un qui va se dire, puisque finalement l'étude de la Torah, c'est la plus belle des valeurs, la chose la plus importante, l'homme n'a été créé que pour elle. Ouais, mais j'ai eu la Torah Shenikret Reshit. Torah, Avodah, Gimel Trasadim, Avodat Hashem. Donc quelqu'un il va commencer à se dire, ah, c'est fini, j'oublie tout, je m'enferme au Beit HaMidrash et j'étudie toute la journée. Et bien il nous dit, toute Torah qui n'a pas avec elle de soucis de Parnassa en travaillant, en ayant un gagne-pain, alors Sofa Betela, sa finalité va être qu'il n'y aura même plus de Torah, il risque d'entrer dans des problèmes de Parnassa, de subvention, où finalement même le temps qu'il va consacrer à l'étude, sa tête elle sera prise en d'autres soucis, et puis finalement, Vegoreret Avon, elle va l'entraîner dans la faute. Il va plus avoir d'argent, il va commencer à faire des petits coups en douce par derrière, à voler, à arnaquer, et donc il va dégringoler dans le vol, ou dans toutes sortes d'argent sale qu'il pourrait avoir. Donc de ce fait, l'importance d'avoir une Torah avec un gagne-pain. Vous allez me dire, les Kolelim, qu'est-ce qu'on fait dans les Kolelim? Dans ce cas-là, ben, les Kolelim, ils ont fait un Eskem, Issachar, Zboulun avec les gens qui les financent. Donc c'est bon, ils ont une Parnassa.
Mais partir étudier sans aucune parnassa, sans aucun, aucune source de subvention, alors il y a la Mishnah ici nous enseigne qu'il y a un grand danger. Maintenant, on change de sujet. Il va nous apprendre maintenant, depuis la fin de cette Mishnah jusqu'à la prochaine Mishnah, ça va être encore ce même Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Yudanasi, qui va nous apprendre maintenant les bonnes conduites lorsque l'on a des postes importants de Tzorke Tzibur. On s'occupe de public, des postes publics importants, tels que être gabaye de synagogue, organiser des cours ou distribuer de l'argent aux pauvres, peu importe. Alors, il nous apprend comme ça. Vechol ha'amelim im ha'tzibur, yu amelim imahem l'shem shamayim. Sache que tout celui qui est amel, qui peine, qui a du labeur, tout celui qui peine pour le public, c'est-à-dire tu as un rôle, apparemment, si on peut dire un sale boulot, c'est un très noble boulot, mais en tout cas, d'être gabaye de synagogue sans arrêt, être là en train de veiller, qui est toutes les entrées qui est nécessaire, qui ne manque de rien à la synagogue, changer les serviettes, s'occuper du ménage, d'organiser les bains, tout ça. Alors, tu es amel imatsibour, tu es en train de peiner pour l'honneur du public. Eh bien, il faut que ton intention soit « Iyu amelim imahem leshem shamaim ». Ils devront se soucier à sans arrêt, peiner pour l'honneur d'Hachem, pour la gloire d'Hachem. Leur motivation lorsqu'ils vont agir ne va pas être d'obtenir un certain poste, parce qu'entre nous, d'abord, entre parenthèses, c'est pas son intention, mais c'est vrai de toute façon, c'est très ingrat. Les gens, ils sont capables de faire des remarques lorsque ça va pas, mais lorsque ça va, ils oublient de dire merci. Et c'est très dommage d'ailleurs, il faut s'habituer à le faire. C'est très important pour soi-même d'abord, pour voir à Karatatov. Là n'est pas le sujet, je reviens tout de suite sur la Mishnah. En tout cas, donc je reviens. Kol ha'amelim imatzibur, tout celui qui peine pour le public, qui se donne pour la réussite d'un public, d'une assemblée, alors yu ha'amelim imahem leshem shamayim. Qu'ils veillent à ce que leur motivation soit l'Hachem Shamaim pour la gloire d'Hachem et pas pour leur propre honneur. Et qu'est-ce qu'il gagnera ainsi ? Sache qu'en réalité, phénoménal, littéralement d'abord, car le mérite de leur père l'aide, vetzidkatam, et leurs bonnes actions, leur mérite, ouais, c'est à peu près les bonnes actions qu'ils ont faites, alors, omed et la'ad, le mérite donc de leur père, Omed et Lad, il reste pour eux pour l'éternité. Zchut, c'est le mérite de leurs bonnes actions, et Tzidkatam, c'est le fait qu'ils aient sans arrêt veillé à accomplir la justice. Concrètement, le principe il est très simple. Lorsque je m'occupe d'un public, eh bien, il faut que je sache. On va prendre mon cas. Je donne des cours de Mishtayot sur le 5 minutes éternelles, ben, c'est un très grand mérite. Eh bien, lorsque je vais le faire, les Shem Shamaim, alors je vais gagner quoi? Je vais gagner que, arrêt. Grâce à moi, il y a des gens qui ont étudié la Torah. Et dans le ciel, on a tous des ancêtres qui sont là et qui attendent que ça, que tous leurs descendants étudient, se découvrent la Torah d'Hachem, accomplissent encore plus de Torah et de mitzvot. Ils attendent que ça. Lorsque mon intention, elle va être pour mieux diffuser l'honneur, pour l'honneur d'Hachem, alors, naturellement, le mérite de tous ces gens-là, il va tout venir à m'accompagner dans mes actes pour me donner réussite, que ça marche encore mieux, que tout se passe encore mieux, étant donné que maintenant, j'agis pour l'honneur d'Hachem, eux, dans le ciel, ils sont tous là, ils entendent tous qu'au contraire de voir leurs enfants réussir, et bien, dans ce cas-là, je vais avoir plein de réussites dans mes œuvres, de manière à ce que je vais pouvoir mieux rapprocher les enfants de la transmission des ancêtres, c'est-à-dire des enseignements des ancêtres, et donc forcément, il y aura réussite, à la différence que si je le fais pour mon propre honneur, ils ne vont pas, eux, m'aider. Vos ancêtres ne vont pas m'aider à moi à mieux faire grandir mon nom et à mieux réussir dans ma vie. Donc dans ce cas-là, ce sera moi avec mon mérite, soit j'en ai, soit j'en ai pas, soit ça réussit, soit ça réussit pas. D'accord ? Grande règle. Excellente. Ensuite, Ve'atem, et vous, alors là, il se tourne de nouveau à ceux qui s'occupent de faire des tzorkei tzibour, de faire des œuvres publiques de tzedaka, de Torah. Alors, Ma'aleani alechem sachar harbe keilu asitem. Je vous donnerai un mérite très grand, comme si que vous aviez fait. Deux interprétations, il y en a trois dans le Bartenor, on va faire la première et la dernière. Il nous apprend comme ça, il nous dit, donc, moi je suis un gabaye de synagogue, je m'occupe de faire les choses, les shem shamaim, et lorsque je vais faire les shem shamaim, tous les gens qui vont venir prier, le mérite de leurs ancêtres va m'aider. Alors on pourrait se dire, mais dans ce cas-là, alors, tout ce que j'ai fait, c'est pas moi qui le fais, donc je n'aurai pas de mérite dans tout ce que j'ai fait. Alors la Mishnah vient et me dit, ben non, sache que vous qui faites les Shem Shamaim, même si concrètement,
c'est plus tes mains qui font, puisque c'est le mérite de leurs ancêtres. Sache que malgré tout, taïch tadlout, tes efforts à vouloir malgré tout veiller à faire réussir les choses, te fera, t'octroiera un mérite d'avoir, comme si tu avais concrètement tout fait. Première interprétation du Barthénora. Deuxième interprétation, et là, c'est très beau. Quand je regardais les gabayes de Beth Knesset, je me dis toujours, mais si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais? Je regarde, il y a des hommes très braves. Ils sont là, au lieu de pouvoir prier, ils sont là sans arrêter qu'il y a quelqu'un qui rentre. Ils vont se débrouiller pour l'amener un sido, lui amener un talit, lui trouver une place, un invité qui est venu. Veillez. Alors quand il prie le pauvre? Je me dis toujours, si moi j'étais gabaye de Beth Knesset, qu'est-ce que je ferais quoi? C'est fini, on ne prie plus. Peut-être que je me lèverais au net, je ferais la prière d'abord au net, et ensuite je participerai au minyan pour pouvoir gérer. C'est un peu dur. Et bien sache que la Mishnah, elle vient, elle te dit comme ça, Ve'atem, et vous qui faites vos élections en Hashem Shamaim, Ma'ale ani alechem sacharabe, je vous donnerai plein de mérites, Keilu asitem. Vous, mes pauvres gabayim, mes pauvres gabayim tzedaka, mes pauvres, vous étiez tous occupés en train de veiller au bon déroulement de l'honneur d'Hachem, et bien Hachem vous donnera le mérite comme si vous aviez fait toutes vos mitzvot, même si concrètement vous ne l'avez pas fait. Excellent, non? Ça, c'est la dernière explication du Rambam rapportée dans le Barthénora, vous pourrez la lire. On continue avec la Mishnah Gimel, et c'est toujours Rabban Gamliel qui continue en nous donnant des conseils à ceux qui s'occupent Betzor Ke Tzibur, en nous disant « Et vous, Zehirin Barashut, She'en Mekarvin Lola Adam El Al-Tzor Chatzman, Nirin Ke Ohavim Bishatana Atan, Ven Omdim Lo » Bishat Dochako. Veillez, et vous zehirin barashut. Veillez à garder, à rester, gardez vos, mettez-vous en garde, c'est-à-dire gardez vos distances, face au rashut. Le rashut, c'est le shilton, c'est le gouvernement, c'est le pouvoir. Vous avez affaire aux autorités publiques, aux autorités du pays, de la ville. Eh bien, veillez à ne pas vous laisser emballer par leurs paroles. Pourquoi? Car ils ne rapprochent les hommes que pour leur propre intérêt. Nirin ke ohavin bish atanatan, ils se montrent très aimables lorsqu'ils sont en train de profiter. Ve'en omdim lo la'adam bish at dochako, et ils ne se tiennent pas à ses côtés lorsque l'homme rentre dans des soucis, dans des galères, mais Shadokhako, lorsqu'il rentre en difficulté. C'est-à-dire, il vient, comme ça le Barthénora explique, je rappelle que dans le Perek Aleph, il y avait marqué « Valtit vada la rishut ». Veille à toujours garder tes distances, à ne jamais te faire reconnaître, voir par le pouvoir public. Regarde tes distances, vite à vite, ça n'est pas affaire à eux. Là, la Mishnah, hein, ça c'était bien pour le commun des hommes. Mais cette Mishnah-là, elle s'adresse à tous ces gens qui ont des occupations publiques, qui s'occupent de Beth Knesset, qui s'occupent de cours de Torah et tout ça, et qui doivent nécessairement, au contraire, eux, se faire connaître à la municipalité, au pouvoir, à la police. Alors là, la Mishnah vient me dire, bon, toi, ta mitzvah, toi, c'est de partir les voir et au contraire de leur demander des aides, des subventions, des terrains, des choses. Sache que malgré tout, ne t'emballe jamais, te laisse jamais croire et séduire par leurs belles paroles, parce que c'est tous des crapauds. Que quoi? En me carvin lola adam el alet sur cette manne. Sache que leur seule chose qui les intéresse, c'est uniquement leur poche, leur ventre, leur plaisir personnel uniquement. Donc, tant que tu viens et qu'ils voient en toi un potentiel d'avoir un petit peu plus de voix aux élections, peu importe, alors là, ils vont se montrer très aimables. Mais donc Nirin Okewavin Mushatanatan, ils se montrent aimables, aimants lorsqu'ils veulent tirer profit de toi. Et ensuite, mais dès que tu auras des vraies galères, des vrais soucis, tu auras besoin de leur aide, tu ne trouveras plus personne. Et c'est tout pour aujourd'hui, je te souhaite une journée pleine d'Aslacha Kol Tov.